OK, est-ce que je peux te tutoyer? Ben oui, bien sûr, j'espère. OK.
Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste avec Samuel Labrecque et Michel Monnette. Bonjour tout le monde. Hey, c'est un retour en onde dans un studio à part de ça pour l'heure juste, l'émission de l'AREC. Et on a avec nous aujourd'hui un nouveau visage pour ceux et celles qui la voient et une nouvelle voix pour ceux et celles qui l'entendent. On a Louise Petitgros. Bonjour Louise. Bonjour Samuel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Un bonjour aussi à l'auditoire. Oui, ben oui, vous allez apprendre à la connaître parce que c'est notre nouvelle co-animatrice qui va nous accompagner, j'espère, jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin des miens, peut-être. Pas, on ne sait pas. Puis, non, effectivement, on salue Louise Bélanger, l'ex co-animatrice qui a déménagé à Montréal, la ville du vice, puis qui ne pouvait plus venir en onde, malheureusement, mais elle va continuer à collaborer avec nous parce qu'elle aime tellement notre émission et l'auditoire. Donc, elle va faire des chroniques qui vont parler de différents sujets, notamment les droits des aînés, la santé, etc. Donc, on va même l'entendre dès notre prochaine émission. Alors, Louise, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ben, avec plaisir. D'abord, je dois dire que je suis heureuse, très heureuse de collaborer à cette émission de l'AREC. L'AREC est mon association de retraités, à moi aussi. En fait, ça me replonge plusieurs années en arrière quand j'étais une jeune étudiante en journalisme à l'Université Laval. J'avais à l'époque proposé et animé à CKRL une émission qui s'appelait « 36 métiers, 36 misères » et qui portait, comme son nom l'indique, sur le monde du travail. Et cette émission, je me rappelais, commençait par une chanson de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle « Monsieur Gobeil » et qui disait ceci, « quand Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin, que c'est bien, que c'est bien. » Oui. Fait que je trouve que dans le contexte de maintenant, où le télétravail est pas mal dominant, c'est pas tout à fait ce qu'on peut dire, mais bon, ça reviendra sûrement. Sinon, bien, j'ai travaillé à la CEQ, devenue la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, durant plus de 30 ans. Okay. J'ai évidemment occupé plusieurs rôles pendant tout ce temps. J'ai d'abord commencé aux relations du travail pour les enseignantes et les enseignants. Après ça, je suis allée à l'équipe de formation. J'ai travaillé plusieurs années au secteur des communications aussi. J'ai été aux établissements verts Brundtland. Oui. Et finalement, j'ai terminé comme directrice de l'action professionnelle et sociale. J'ai été aussi 3 ans au syndicat de l'enseignement de la Métis à titre de conseillère syndicale à Mont-Joli. Voilà, c'est mon parcours. Puis je dois dire que ça a été un privilège et un bonheur de travailler dans cette belle organisation durant toutes ces années. Donc, c'est un plaisir de revenir faire un tour pour moi aussi. À la retraite, j'ai pris ma retraite en 2015 et j'ai continué à avoir des engagements. Notamment, j'ai été très active au groupe Femmes politiques et démocratie, qui est un groupe qui vise à former, à soutenir les femmes qui veulent aller en politique. Et j'ai été représentante et je suis toujours représentante de la CSQ au conseil d'administration de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Alors voilà, c'est à peu près mon parcours professionnel. Ah, ben mon Dieu, c'est quelque chose pareil, hein? T'arrêtes pas. Puis on est vraiment chanceux de t'avoir à l'émission, vraiment, là, je pense que... Ah ben ça me fait très plaisir, vraiment. J'espère que tout va bien se passer pour moi aussi, là. On sait jamais quand on commence, quand on recommence des activités qu'on a fait il y a longtemps, on sait pas trop, mais bon, je vais faire pour le mieux, comme on dit. Je comprends, puis moi-même, je suis assez fébrile, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'émission. Je vais en parler peut-être à un moment donné, mais je suis parti de venir préposer aux bénéficiaires dans un CHSLD durant la COVID de cet été. C'est pour ça que j'avais mis une pause sur l'émission et sur mon travail aussi à la REC. Donc, j'ai pris mes vacances et un sans-sol pour aller travailler là. On s'en reparlera. Oui. Puis sinon, ben, on revient avec la même formule, c'est-à-dire 3 segments. On parle d'actualité et on a 2 invités qui vont venir nous parler de sujets qui touchent de près ou de loin nos membres, qui intéressent nos membres. On parle de la santé, droit des aînés, le développement durable, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est des sujets assez variés qui intéressent vraiment les membres de la REC. Et on essaie de donner le contenu qui est finalement de qualité et qui les intéresse.
Donc, on pourrait commencer avec des petites actualités, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Je ne penserai pas toutes les actualités des deux derniers mois, parce que ça se résume pas mal à COVID. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une pandémie en ce moment. Puis, on est en direct d'une zone rouge d'ailleurs, donc on risque notre vie pour vous. littéralement. Alors, donc... Dans trop rassurant, mon âge, attention. Alors, on a pris vraiment des mesures au studio là, qui sont vraiment là, impeccables. Pour avoir justement travaillé en CHSLD, je me sens en sécurité dans le studio de Sekaya. Alors, merci d'ailleurs au chef de la programmation, Pascal, qui fait la mise en onde en ce moment pour nous. Merci, je te salue, Pascal. Donc, il s'est passé quelques petites choses dans les dernières semaines qui concernaient la REC. Je ne sais pas si tu as vu passer dernièrement, Louise, mais le ministre de l'Éducation a trouvé le remède à la pénurie de la main-d'œuvre, ce fameux remède de ramener les retraités sur le marché du travail. Fait que là, il est arrivé avec ça en disant « j'ai des incitatifs financiers pour vous, j'ai de l'argent, voulez-vous venir? » Finalement, l'appel à tous a été lancé et ce qu'on nous on a entendu de nos membres et de plusieurs personnes sur la place publique, c'était davantage « d'accord, l'incitatif financier, c'est un pas intéressant ». Sauf que faut pas oublier que beaucoup de personnes qui ont pris leur retraite l'ont pris de façon hâtive à cause de l'organisation du travail, à cause de la lourdeur de la tâche finalement. Donc, le goût de revenir dans les classes n'est pas particulièrement intéressant pour une personne retraitée d'emblée. Donc, il faut peut-être travailler sur autre chose que finalement les incitatifs financiers. Il y a toute l'organisation du travail. Puis ça, ben, ça touche aussi les jeunes. T'sais, les raisons pourquoi les gens ont pris leur retraite hâtive, c'est la même raison pourquoi on n'est plus capable d'attirer du monde dans les écoles pour devenir prof. Tout à fait, oui, oui. Donc, le nerf du problème, il est ailleurs. L'appel concerne d'ailleurs les retraités des 5 dernières années. Exactement. Donc, les incitatifs visent vraiment, on va appeler les jeunes retraités finalement, ouais. Ceux qui viennent de quitter les classes, qui seraient susceptibles de vouloir revenir. Et même là, il y a des gens là-dedans qui ont 65 ans et plus, qui se disent « ben, j'ai pas envie d'y retourner en pleine COVID ». Donc, puis je les comprends parce qu'on a répété à toute tête que les 60 ans et plus étaient plus à risque. Là. Donc, il y a toute cette situation-là à considérer finalement, en plus de la tâche. Donc, c'est peut-être pas une panacée. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais le ministre espérait ramener 800 personnes dans le fond, dans les classes avec ça. Si vous voulez aller voir sur la page Facebook de la REC et sur le site de la REC, Lise Lapointe, présidente de l'association, discuter de ça avec Claude Bernatchez à Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, pour parler de cette stratégie-là, donc à savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est la bonne voie à suivre finalement pour régler la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, une des questions qu'on peut se poser aussi, on a pris beaucoup de précautions pour les élèves, est-ce qu'on en a pris autant pour les enseignants, puis pour les enseignants plus âgés qui reviendraient éventuellement aussi, il faudrait que les mesures sanitaires soient vraiment élevées. Là. Tout à fait, d'ailleurs ça pourrait être un très bon sujet de chronique, je pourrais avoir un invité qui nous parle du vécu sur le terrain, là, comment ça se passe pour une enseignante ou un enseignant en pleine COVID. Là. Et là, on dit ça, mais finalement, ça se peut que les classes se fassent virtuellement avec la deuxième vague. Donc, il n'y aura peut-être pas de retour en classe, nécessairement. Autre sujet aussi... Il n'y en a pas question encore de fermer complètement les écoles. Non, il n'y en a pas question encore. Moi, j'ai vu qu'on avait regardé aussi du côté des universités puis des cégeps pour utiliser des locaux pour distancer plus les gens aussi, là. Faudrait voir, effectivement, si les cégeps sont prêts à accueillir. Ils n'ont pas l'air trop. Non, c'est ça, effectivement. c'est un plan qu'on construit à vue d'œil. Hein? Bon, je veux pas critiquer, là, mais on attend toujours les choses à la dernière minute, puis je peux comprendre la frustration de certaines personnes, que ce soit des propriétaires de restaurants, le citoyen moyen. Le soir même, on attend les nouvelles, savoir qu'est-ce qui se passe le lendemain. Donc, c'est effectivement un petit peu angoissant, la situation actuellement. J'en doute même pas dans les écoles, comment que c'est. Par rapport à la COVID aussi, la semaine dernière, il y a eu un autre rapport, de la protectrice du citoyen, qui fait un peu la lumière sur les dérapes qu'il y a eu durant la gestion de la COVID, de la pandémie dans les CHSLD. Il y a eu au même moment l'émission Enquête et aussi JE, qui ont dressé un portrait de la situation sur la gestion qu'il y a eu des CHSLD pendant la pandémie. C'est plus de 4000 morts qu'il y a eu au printemps dernier dans nos CHSLD. Puis, c'est pas tous des gens qui sont morts nécessairement de la COVID directement. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans des situations inhumaines parce que les CHSLD n'étaient pas prêts, parce qu'il y a eu une pénurie. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre déjà. Et
beaucoup de personnel avait quitté en raison de la COVID, donc il n'y avait plus de soins qui se donnaient. Il y a littéralement des gens qui sont morts de déshydratation et de faim, notamment au CHSLD Erron. Aussi parce que les aidants naturels n'avaient plus leur place dans les CHSLD. Ils n'avaient plus le droit de visiter, sauf à un moment donné, quand les personnes étaient en soins palliatifs, donc finalement, quand c'était la fin, là, les gens avaient le droit de visiter. Il y avait même eu, on en a parlé dans une émission précédente, le cas d'un fils et de sa mère. Sa mère était rendue... Il ne pouvait plus visiter sa mère en CHSLD. Elle était rendue en soins palliatifs. Il a pu finalement aller la voir. Et une fois qu'elle a vu son fils, elle s'est rétablie beaucoup de sa situation. Donc, elle a quitté les soins palliatifs pour redevenir dans une aile prothétique. Et là, elle n'avait plus le droit de voir son fils. C'est des cas là, comme ça, là, inhumains, qu'on ne veut plus revoir dans la deuxième vague. On va en discuter un peu avec David Lucier tantôt, Gériard, qui a travaillé dans un CHSLD durant la COVID. On va voir avec lui là, comment que les CHSLD se préparent, où on se situe par rapport à la deuxième vague. On va voir aussi, parce qu'il y a de nouveau des cas dans les CHSLD, mm-hmm. comment on se place par rapport à ça, comment on réagit par rapport à ça. Le gouvernement avait ouvert la possibilité que les proches aidants puissent être présents. Est-ce qu'ils le sont? Bon, peut-être des choses qu'on peut parler avec Dr. Lucier. C'est ça, à savoir s'ils sont prêts. Comment ils se préparent. Exactement, là, parce que ouais. C'est possible, pour avoir travaillé dans un CHSLD, c'est possible d'accueillir les proches en les faisant respecter des mesures sanitaires avec la jaquette, avec les gants, avec le masque et la visière. Sérieusement, il y a moyen de le faire. Et les difficultés que ça apporte au niveau psychosocial chez le résident, de ne pas avoir de visite, de ne pas voir leurs proches, c'est franchement très lourd. Probablement presque aussi lourd que la maladie elle-même. On voyait des personnes, surtout quand elles étaient en test, en attente d'un résultat positif négatif, on les mettait en isolement préventif, ils n'avaient même plus le droit de sortir de leur chambre. C'est des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, de démence avancée. Leur état se détériorait rapidement. Au bout de 3 jours en isolement, développait de l'agressivité, des personnes qu'on n'avait jamais vues, voir des comportements comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir mieux se préparer sur le plan humain, autant que sanitaire et hygiénique. Je pense que parce que c'est une maladie qu'on connaissait peu, on était un peu à tâtons aussi. Oui. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse tirer des leçons, ça, oui. puis faire mieux pour ce qui s'en vient. Oui. Clairement. C'est justement ce que l'AREC a fait, dans le fond, dans un communiqué vendredi dernier. C'est un appel à l'action, finalement. On réclame justice parce que il y a des choses qui ont eu lieu qui n'auraient pas dû avoir lieu, alors que les autorités le savaient. C'est ce qui a été démontré notamment dans l'enquête. Là. Quand ils ont déplacé des gens des hôpitaux vers les CHSLD, savant que les personnes, que les établissements n'avaient pas les équipements nécessaires, qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir ce monde-là, finalement, on a mis du monde malade pour propager le virus dans les CHSLD. Ça n'a pas de bon sens. Donc ça, il va falloir qu'il y ait une forme de justice par rapport à ça. Mais on réclame surtout des actions. Là. Ce rapport-là de la protectrice du citoyen la semaine dernière s'ajoute à des dizaines de rapports qui ont été tablettés dans les dernières décennies qui redisent tout le temps les mêmes choses. Ça prend plus de personnel, du personnel mieux formé. Ça prend des soins à domicile aussi adéquats pour retarder le retour à l'hébergement. On se répète, puis à un moment donné, ces gens-là, comme la protectrice, perdent patience et se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les aînés sont vraiment une priorité dans notre société? S'ils le sont, bien, qu'on agisse. Si ça prend de l'argent, si ça coûte trop cher, là, ça coûte combien? On l'a-tu calculé, ça coûte trop cher? Ou ça valait même pas la peine de le calculer, finalement? Ça n'a jamais été un enjeu politique, on dirait. Ça fait pas gagner d'élection, donc... on l'écarte. Ça devient toujours la dernière priorité, sauf quand il y a une crise. Ça, en tout cas, moi, ça me fâche beaucoup. Oui. Puis le fait qu'on, comme tu disais, qu'on écarte... Bon, on ne développe pas beaucoup la question des soins à domicile. Oui. Hein, on reconstruit encore les maisons pour aînés qui vont être des CHSLD mieux... plus intéressants, sûrement. Mais ça fait en sorte aussi qu'on... De nouveau, les gens vont se retrouver dans les CHSLD, même si on sait que c'est des gens très malades. Oui. Probablement qu'on pourrait les maintenir à domicile un peu plus longtemps puis retarder leur arrivée. Exactement. Là, je vois que le temps file oui. un petit peu. Si tu me permets, on va passer tout de suite à notre entrevue avec Dr. Lucie oui, là, qui nous sûr. Attend. Ah, puis après ça, on va tout sûrement avoir le temps de se parler de d'autres sujets. Donc, on va faire une courte pause et ça va me permettre d'appeler M. Lucie là, qui attend notre téléphone ardemment. À tantôt. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Heure Juste, l'émission de la REC, et on a avec nous un invité de marque qu'on a déjà eu dans le passé, donc c'est un habitué de l'émission, le docteur gériatre David Lussier, qui est un expert là, dans le vieillissement de la population et qui est finalement rendu un expert dans la COVID dans nos CHSLD parce qu'il l'a vécu à la dure, il a lui-même pogné la COVID. Docteur Lussier, bonjour. Bonjour, M. Labrec. Ça va bien? Oui, merci, vous-même. Oui, très bien. Merci d'être avec nous en onde aujourd'hui. On a plein de questions à vous poser, là, mais tout d'abord, est-ce que vous êtes prêt pour une deuxième vague? Là? En fait, j'espère que les CHSLD sont prêts. Oui. Je sais que dans les CHSLD où il y en a eu, comme nous, à l'Institut de gériatrie, on en a eu beaucoup, malheureusement. Je sais que nous, on est prêts. Maintenant, on sait exactement quoi faire quand il y aura des cas. Tous les processus pour l'isolement sont déjà bien définis. On a l'équipement, ce qu'on n'avait pas au printemps, mm-hmm. là, ce qui fait une grosse, grosse différence. Donc, je sais que ceux qui ont été très touchés au printemps sont prêts. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il semble encore avoir des éclosions là, dans des CHSLD et dans des CHSLD où il n'y en a pas eu au printemps. Donc, j'espère que rapidement, là, les administrations de ces CHSLD et le ministère de la Santé vont pouvoir envoyer ce qu'ils appellent leur SWAT team, là, oui. qui sont censés avoir mis sur pied pour aller rapidement investiguer ce qui se passe et corriger la situation très rapidement dans ces endroits-là. J'ai fait partie d'une de ces équipes-là dans un CIUS à Québec pour intervenir dans une résidence privée pour aînés. En tout cas, je peux témoigner qu'ils sont vraiment très bons pour rétablir une situation qui est pas mal catastrophique. On pourrait vous envoyer à d'autres endroits peut-être. Oui, faudrait que j'en parle à mon DG, à Dominique, voir s'il veut me renvoyer dans les CHSLD. Comment on se prépare concrètement pour la deuxième vague? Ou du moins, qu'est-ce qu'on a appris de la première, là? Mais on a appris beaucoup de choses. On a appris, comme je le disais, que les équipements de protection, c'était quelque chose qui était très important. C'était pas une question de mauvaise volonté, évidemment, là, ou que les gens portaient pas, c'est que c'était juste pas disponible. Ce qu'on a appris aussi beaucoup, c'est l'importance d'isoler et même les asymptomatiques, hein. C'est ça mm-hmm. qu'on le dit souvent, mais il y a très, très peu de maladies infectieuses qui peuvent se transmettre par quelqu'un qui est pas symptomatique. Habituellement, on peut le transmettre quand on a des symptômes. Ça, on l'a appris. Donc, je pense que maintenant, on sait qu'il faut isoler très rapidement les personnes atteintes et qu'il faut aussi dépister. Nous, on fait des dépistages de tous les résidents et de tous les employés. De tous les résidents, c'est aux deux semaines et les employés aussi, soit aux semaines ou aux deux semaines, là, selon les milieux. Donc, ça, c'est très important de vraiment dépister les asymptomatiques aussi, parce qu'on veut éviter qu'ils le transmettent à d'autres. Donc, ça, on l'a bien vécu, on l'a bien appris, je pense. Puis donc, on sait quoi faire maintenant. On a aussi appris qu'il fallait pas faire de mobilité de personnel entre les mm-hmm. unités ou entre les établissements. Malheureusement, ça se fait encore un peu, parce qu'il y a des situations où il n'y a vraiment aucune autre solution. On peut pas laisser une unité ou un CHSLD sans infirmière, par exemple. Donc, malheureusement, ça se fait encore. Très bien. Très peu. Beaucoup moins qu'avant, disons. Puis, au niveau de l'équipement, là, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne, là, c'est quoi l'équipement, finalement? C'est quoi qu'on doit avoir dans un CHSLD pour être prêt? Bien, il faut avoir tous les équipements de protection, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, les EPI. Donc, les masques de procédure, qui sont juste les masques en tissu régulier. Ça semble banal, mais c'est ça qu'au printemps, on n'avait pas. Okay. C'est ça qu'au printemps, on pouvait pas porter, on n'avait pas, il était sous-clé. Donc, un masque, maintenant, c'est comme s'il y en avait à profusion. Mais au printemps, un masque, c'est une denrée rare. Là, on traitait ça comme si c'était la 8e merveille du monde. Je comprends. On pouvait pas le changer. On en avait un pour la journée. Il fallait lui faire très attention. Maintenant, on en retrouve partout dans la rue, par terre. Les gens les jettent par terre. Mais ça, c'était très précis au printemps. Donc ça, la protection oculaire, donc soit des lunettes de protection ou des visières, ça aussi, c'est banal, mais moi, quand on a commencé au printemps, on avait des lunettes que quelqu'un était allé acheter dans une quincaillerie. Ah, mon Dieu. Donc, je me suis servi cet été quand j'ai enlevé la céramique de ma salle de bain. Mais c'est avec ça qu'on travaillait okay. au printemps. Donc, maintenant, on a les lunettes appropriées ou des visières et aussi toutes les jaquettes. Ça aussi, à un moment donné, il en manquait. Donc, les gens commençaient à aller voir dans les doloramas pour acheter des ponchos en plastique. Donc, ça, maintenant, on les a. Donc, ça fait vraiment toute la différence pour empêcher que les employés l'attrapent puis qu'après ça, qu'ils le transmettent à d'autres.
Oui, bonjour, Dr. Lucie. C'est Louise Petitgrou. Je suis la co-animatrice avec Samuel. À tort ou à raison, on a beaucoup critiqué le rôle et la compétence des gestionnaires dans la première vague, en particulier dans le privé, je crois. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites à ce chapitre? Il y avait dans certains établissements privés où les gestionnaires ont été critiqués pour ne pas avoir agi assez rapidement. Maintenant, je pense que les établissements aussi publics sont beaucoup plus sensibilisés à l'importance de bien encadrer les établissements privés et de bien les suivre. Donc ça, je pense que ça a été fait. Les gestionnaires des établissements publics, faut faire très attention quand on les blâme parce qu'ils n'avaient pas les moyens. On peut pas. Moi, je crois qu'on peut pas blâmer quelqu'un si on lui donne pas les moyens de réussir. C'est correct de les rendre imputables pourvu qu'ils aient les moyens. Ce qu'on a vu au printemps aussi, c'est que tout était extrêmement centralisé au niveau provincial. Donc, il y avait très, très peu de latitude pour les gens d'agir vraiment au niveau local. Donc, je pense que ça, j'espère qu'on a appris, qu'on va laisser plus de place justement à l'initiative locale. Ceux qui ont bien réussi, souvent, c'est ceux qui n'ont pas attendu d'avoir des recommandations provinciales pour agir quand c'était évident ce qu'il fallait faire. Donc, je pense que ça, on a appris aussi. Et j'espère que pour les établissements privés, il va y avoir encore là des SWAT teams qui vont pouvoir aller agir rapidement dans ces milieux-là. Est-ce qu'on devrait revenir vers une gestion plus locale de nos CHSLD? Ben, c'est sûr qu'il faut... redonner de l'autonomie aux CHSLD parce que ils ont été noyés dans les CIS et les CIUS. Donc, c'est sûr qu'il faut leur redonner une autonomie. Mais je suis pas certain qu'on aurait été mieux servi si on avait eu des centaines de petits établissements de 250 lits. C'est beaucoup plus difficile de faire passer l'information quand on a 250 personnes, là, de directeurs généraux, disons, à contacter, plutôt que quand il y en a... 16 ou 17 là, avec les 6 et les 6. Donc, je ne suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup si on avait des plus petits établissements. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse agir rapidement dans chacun de ces établissements-là. Vous avez eu la COVID. Je pense que votre famille aussi, là, ça a été difficile. Ça a été médicalement pas si difficile que ça. Mais ça a été, je dirais... difficile surtout pour la longue période d'isolement qui a duré presque un mois et demi en tout là, avec l'isolement préventif et le temps que tout le monde soit sorti de l'isolement, parce que les travailleurs de la santé à ce moment-là, ça nous prenait deux tests négatifs. Donc moi j'ai été un mois total en isolement, mais pour la famille au complet, ça a été presque un mois et demi. Donc c'est ça qui a été assez difficile, je dirais là. Je pense que les gens réalisent pas. Des complications médicales. Je pense que les gens réalisent pas la pression que ça crée sur l'ensemble du personnel quand quelqu'un, professionnel de la santé, doit justement être en isolement pendant 14 jours. Parce que la COVID, c'est ça. On peut pas se permettre là, avec la main-d'œuvre qu'on a, si on veut, avec les professionnels de la santé qu'on a, de s'en passer. Avec la COVID. À un moment donné, c'est ça. Il y en manquait 10 000 là, au printemps. Oui. Puis déjà, les gens disaient qu'il y en a qui avaient déserté les établissements. Il y en avait peut-être une petite partie, mais c'était surtout des gens qui étaient malades puis qui devaient avoir leurs deux tests négatifs pour revenir au travail. Donc, ça met une pression énorme sur les équipes quand quelqu'un est parti, comme c'était au printemps pendant un mois, ce qui était le cas de la plupart des gens. Puis maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je crois qu'il y en a moins chez les travailleurs de la santé, quoique là encore, on a vu des milieux où il y en a eu du 50% ou presque. Mais aussi, le problème, c'est que les ressources en santé sont vraiment très, très, très serrées et très limitées. Hein. On a augmenté les préposés, mais il n'y a pas plus de médecins ou d'infirmières ou de plusieurs autres professionnels. Puis si un professionnel est infecté, même à l'extérieur de son travail, seulement en isolement, mais aussi maintenant, si son enfant devient positif, il doit rester à la maison avec son enfant pendant 2 semaines, ou si la classe de son enfant est fermée. Donc, le réseau de la santé est vraiment très, très, très fragile, donc surtout pour le personnel. Donc, il faut faire très attention pour pas trop le solliciter.
Moi, je me demandais si la nouvelle cohorte d'employés qui a été formée cet été, est-ce que ça commence à se mettre en place et est-ce qu'on prévoit que ça va améliorer vraiment là, la situation dans les CHSLD? Oui, ces gens-là, ils sont 7000, je crois, préposés aux bénéficiaires qui sont au travail maintenant. Puis on voit vraiment la différence au niveau des préposés. Ça a amélioré beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça a aussi réduit le besoin d'avoir recours aux agences, la mobilité de personnel. Ça fait une très, très grosse différence au niveau des préposés aux bénéficiaires. Par contre, les préposés, c'est seulement un type d'emploi qu'on retrouve, ils sont importants, mais il y a aussi les infirmières et les infirmières auxiliaires qui, c'est pas mieux qu'avant, puis on peut pas former une infirmière en 3 mois comme on a formé des préposés. Puis les infirmières, entre autres, dans les CHSLD, il en manquait avant, il en manque encore plus. Puis c'est des professionnels qui sont très importants dans les CHSLD parce qu'ils font des tâches que les préposés peuvent pas faire. Même chose pour les infirmières auxiliaires. Donc ça, on a encore un problème très important d'infirmières et d'infirmières auxiliaires. Il y en a qui ont quitté aussi parce que ça n'a pas été facile, qui ont décidé de s'orienter ailleurs. Il faut voir aussi que le gouvernement a exigé un dirigeant ou un responsable dans chaque CHSLD. Donc ça a demandé d'engager beaucoup de monde et ça a eu comme effet pervers que souvent ces gens-là, ils prennent ce qui était avant des chefs d'unité, donc ils prennent des infirmières pour aller faire ces postes de gestion-là. Donc ça diminue les infirmières sur le plancher. Pour faire la paperasse. Longue réponse. Je suis comme Dr. Arruda, je vous fais une très, très longue réponse à une question pour dire que oui, les préposés sont, ça fait une grosse différence, mais il manque encore d'autres types de professionnels. Puis j'ajouterais même, en plus des professionnels qu'on a déjà, j'ai trouvé qu'il manquait d'autres types de professionnels pour la qualité de vie des résidents. Puis ça, je ne sais pas si c'était de même avant la pandémie ou si ça a été accentué avec la pandémie, mais tu sais, un résident en CHSLD, ça fait pas grand-chose de ses journées. Il n'y a personne pour le stimuler. C'est souvent le préposé qui va assumer ce rôle-là quand il va avoir le temps. Mais tu sais, j'étais là, 2 mois, j'ai vu un éducateur spécialisé venir peut-être 3 fois, puis à chaque fois qu'il venait, ça changeait toute la donne. Beaucoup moins de signes d'agressivité chez les résidents, beaucoup moins d'incidents, accidents envers les professionnels de la santé. Je me disais, si cette personne-là pouvait venir au moins une fois semaine, ça changerait vraiment beaucoup. La prise en charge, ça fait partie du traitement, c'est tout ce qu'on appelle la prise en charge non médicamenteuse, puis effectivement, ça c'est très, très, très important. Il y a aussi la Fondation Dr. Clown qui ont des clowns thérapeutiques là, qui vont faire des interventions. Il y a tous les récréologues. Ça a été, il n'y en a jamais eu assez. Puis maintenant, c'est encore plus difficile parce que on réunit pas les gens. Nous, on avait beaucoup d'activités, du bingo, du karaoké. Puis tout ça, ça a été éliminé. Parce qu'on peut pas faire de regroupement ou de rassemblement de résidents. Donc oui, ça manque beaucoup, beaucoup. Il faut en avoir plus parce que ces gens-là connaissent les gens. Moi, ça m'a frappé. On a eu une cérémonie commémorative pour les résidents décédés et c'était beaucoup les récréologues qui ont sorti les photos de leur banque de photos. Puis ils ont été capables d'identifier chaque résident décédé dans leur banque de photos. Donc ils les connaissent très, très bien. Donc, ces gens-là sont vraiment très importants, puis oui, ça en prend plus. Actuellement, est-ce que les proches aidants, comme on les appelle, sont présents dans les CHSLD? Est-ce que c'est recommencé? Est-ce que c'est limité? Est-ce que c'est seulement lorsque les gens sont en fin de vie? Comment ça fonctionne maintenant qu'on a pris conscience de leur importance? Est-ce que c'est revenu? C'est une excellente question. Au printemps, on le sait qu'ils avaient été exclus totalement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'était malheureusement nécessaire de le faire à ce moment-là. Les proches aidants ont pu revenir. Après ça, ça a été ouvert à n'importe qui, là, à n'importe quel visiteur. Maintenant, ça a été depuis une semaine ou quelques, là, ça a été rediminué à seulement les proches aidants. Donc, un proche aidant, c'est quelqu'un qui ne va pas venir seulement pour faire une visite sociale, mais qui vient parce qu'il joue un rôle auprès de la personne hébergée. Que ce soit un rôle d'accompagnement. Ça peut être quelqu'un aussi qui est employé, qui est payé par la famille parce que la personne, par exemple, a des problèmes d'agressivité ou d'agitation,
puis ça les sécurise d'avoir quelqu'un avec eux. Ça fait partie de la définition de proche aidant, où c'est quelqu'un qui va venir pour donner des soins à son proche. Donc maintenant, c'est seulement les proches aidants qui peuvent visiter dans les CHSLD ou, comme vous disiez, quelqu'un qui est en fin de vie, à ce moment-là, on permet les visites là pour que la personne puisse voir ses proches. Puis il n'y a pas les mêmes restrictions pour l'instant qu'il y avait au printemps, c'est-à-dire le 5-10 minutes là, de permis. Puis c'est certain qu'on ne pourra pas exclure totalement les proches aidants cette fois-ci, mais c'est sûr qu'il faut limiter aussi beaucoup les entrées et les sorties des CHSLD là, pour éviter d'emmener la COVID dans un milieu par un proche aidant. Merci beaucoup pour cette entrevue-là qui nous met un peu là, bon, qui nous met la table sur cette deuxième vague qui s'en vient. Oui, je dirais peut-être en terminant oui. En seconde que ce qu'il faut, le CHSLD n'est pas isolé de la communauté. Donc, on sait vraiment que le plus important pour protéger les CHSLD, c'est qu'il y ait moins de virus dans la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup le virus dans la communauté. Puis c'est comme ça que ça qu'on va pas revivre qu'on a vécu au printemps. Ben, donc, c'est vraiment chacun qui peut faire une différence là, là-dedans. J'aime ça ce que vous dites parce que j'avais beaucoup de frustration quand je travaillais dans un CHSLD puis que j'allais faire mon épicerie puis que je voyais des gens qui chialaient parce qu'ils ne voulaient pas porter le masque parce qu'ils disaient qu'eux, ils tomberaient pas malades, mais qui ne comprenaient pas que s'ils me la donnaient à moi puis que j'allais la donner à quelqu'un, que je pouvais littéralement tuer quelqu'un. Puis j'ai eu cette frousse-là à trois reprises dans mon parcours de 2 mois où j'ai dû aller me faire tester parce que des gens avaient eu la COVID, des résidents avaient eu la COVID, en étaient décédés. Et ça, dans le fond, vu que justement personne ne pouvait rentrer dans les CHSLD, ça voulait dire une chose, il y a un employé qui est asymptomatique et qui l'a donné. Je peux même pas vous... Essayez de vous imaginer le stress que vous avez quand vous faites tester en disant « C'est-tu moi qui a tué Mme Gendron? » Je vais inventer un nom. Ouais. C'est rough, là. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Hein. Dans la presse, il y avait un exemple en fin de semaine là, d'un enfant qui était positif. Je ne sais pas si c'est un enfant, là, mais un jeune. Mm-hmm. Il l'a donné à son père. Le père l'a donné à son collègue de travail. Le collègue de travail l'a donné à sa conjointe. Puis la conjointe travaillait dans un CHSLD. Puis il y a eu 7 cas dans le CHSLD. Donc l'enfant qui l'a eu, c'est probablement pas de sa faute. Là. Non. Mais lui, il a pas été malade. Mais à cause de ça, il y a eu 7 personnes dans un CHSLD qui ont été malades et peut-être d'autres qui en sont décédées. Donc, c'est vraiment une chaîne de transmission qu'il faut briser absolument. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Dr. Lucie. Puis, on va passer à un autre sujet, mais je pense que vous connaissez d'ailleurs, hein, Dr. Lucie, on va parler avec Mme Shirley Theroux, qui est porte-parole d'une fondation que vous connaissez très bien aussi. Elle est porte-parole de notre fondation. Oui, donc, je vous remercie encore. On risque de se reparler prochainement pour voir le suivi par rapport à la deuxième vague. D'ici là, je vous souhaite vraiment bonne chance, le meilleur, vraiment. Ou le moins pire avec la situation. Puis vraiment, merci encore pour tout ce que vous faites. Ben, je crois qu'il faut se souhaiter bonne chance comme collectivité, puis à tous les gens qui vous écoutent aussi. Là, il faut se souhaiter bon courage surtout. Merci. Bye bye. Avec plaisir, au revoir. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics. Hey, merci, Mme Theroux. Qu'on puisse propager cette nouvelle-là là, de notre campagne de solidarité de nos aînés. Oui, pour la petite histoire, là, moi j'ai vu ça passer sur Facebook, puis j'ai fait « J'aime » sur une publication d'une personne qu'on connaît, je pense en commun, Dr. David Lucie. Et vous avez liké là, mon commentaire. Alors moi, j'ai vu une notification sur mon Facebook qui me disait « Shirley Theroux a aimé une de vos publications ». Alors là, je me suis dit « Il n'y a pas 1000 Shirley Theroux au Québec. Est-ce que c'est la Shirley Theroux? » Et on a été mis en contact par la suite. Donc c'est vraiment un privilège de vous avoir aujourd'hui. Ben merci Samuel, t'es gentil. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement-là, le solidaire des aînés? Ça a été lancé par qui et pourquoi? Bon, ça, c'était lancé par la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. D'accord. Cette campagne-là, c'est une campagne de solidarité, OK? Mais c'est une campagne qui est là, c'est gratuit, là. Oui. Je le précise parce que les gens ont l'impression que quand on fait une campagne, que c'est toujours pour aller chercher des sous. Okay. Cette fois-là, cette campagne-là, c'est pour aider
nos aînés, aider à briser la solitude, tu sais. Ils sont isolés, leur isolement, là. Ils sont vraiment isolés, nos aînés. Alors, cette campagne-là, elle est là pour ça. C'est pour nous éveiller, si tu veux, à faire des petits gestes pour eux, tu sais. On oublie souvent, trop souvent d'ailleurs, que ce sont ces aînés-là qui ont bâti notre société, tu sais. Puis on est heureux d'y vivre dans notre société, on y est confortable. Alors, cette campagne-là, au fond, là, tu vas me dire c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, pour poser des petits gestes. Oui, puis je pense qu'il y a une plateforme sociale, justement, qui pousse à l'engagement des gens dans la communauté, auprès des aînés. Exactement, c'est ça. Je vais donner l'adresse tout de suite, là, c'est oui. www.solidaires.com. Et là, vraiment, là, c'est « Je m'engage ». Oui. Alors, on s'engage tous et chacun à poser un geste. Style, je vais donner des idées comme ça. Il y a tellement de gestes qu'on peut poser, mais entre autres, téléphoner. Je sais pas, toi, par exemple, est-ce que tu appelles, tu téléphones-tu parfois à tes grands-parents? Plus souvent depuis la pandémie, je dirais. Ça m'a éveillé là-dessus. Ah oui, hein? Oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Je vais faire le message à mon fils. Qui m'appelle plus souvent. Je fais partie des aînés moi-même, tu comprends? Mais tu sais, prendre le téléphone, téléphoner, leur offrir aussi d'aller faire des courses. Oui. Tu sais, très souvent, puis surtout le beau temps qui arrive et tout ça, puis les amener avec nous aussi, aller prendre une petite marche, tu sais, prendre une petite marche de santé. Là, les couleurs arrivent, le soleil est chaud, le temps est frais, tu sais. Parler avec eux, discuter d'une émission de télé ou de radio, prendre du temps. Ça coûte rien, du temps, c'est gratuit, tu sais. Oui, puis ça a l'air de rien, hein. C'est ça, ça fait une grande différence dans la journée d'une personne aînée qui souffre d'isolement. C'est incroyable. Et puis, moi, ce que je suggère, puis jamais, jamais terminer un appel téléphonique sans dire grand-maman ou sans dire à la personne « je vous aime » ou « ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui ». Et essayer de... Très souvent, les personnes qui sont en isolement vont avoir un peu de difficulté à trouver les bonnes phrases, les bons mots. Alors, il faut les aider à parler. Il faut les amener à parler. Par notre conversation, leur suggérer des réponses, tu sais. Oui. Toujours y aller comme avec un point d'interrogation, tu sais, dire... Ça amène, parce que le point d'interrogation dans la phrase, ça amène une réponse, c'est un questionnement. Alors, tu sais, il faut les aider dans ce sens-là, tu sais. Puis, les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point ça va faire une énorme différence dans leur isolement. C'est incroyable. Tout à fait. Puis, je voyais même sur le site, ça peut peut-être intéresser les générations plus jeunes qui sont susceptibles de s'engager dans ce mouvement-là, mais il y avait la possibilité de, par exemple, éduquer nos aînés sur l'utilisation des technologies d'information parce que, bon, mettons, en période d'isolement, de confinement, il y a moyen de communiquer avec eux par la tablette, par exemple, par visio, par vidéoconférence. Puis, c'est pas tout le monde qui a la même habileté avec ces outils-là. Non, effectivement, puis moi, je me souviens au début, là, c'est qu'on a peur de faire des erreurs et on a peur de tout perdre. Oui. Tu sais, on a peur que l'écran s'efface puis qu'on va avoir perdu la communication ou ce qu'on est en train de faire. C'est le plus grand, c'est cette inquiétude-là qu'ils ont, les aînés. Mais effectivement, c'est une très bonne idée de les aider à... Tu sais, la tablette, là, c'est phénoménal. C'est incroyable comment ça apporte. Et que ça facilite aussi la communication avec les aînés, tu sais. Oui, ma grand-mère m'envoie de plus en plus des photos de ses activités, de souper qu'elle a avec mes oncles ou ses petits-fils là, par Facebook, par exemple, là, sur Messenger. Donc, c'est super, là, ça maintient le lien que je pourrais pas avoir nécessairement autrement vu qu'on vit dans des villes différentes, là. Ah oui, ben effectivement, puis t'as tellement raison. Puis tu vois, moi j'ai deux petits-fils et moi j'ai recommencé à faire du courrier. Ils adorent recevoir des lettres. Ah oui. Ils adorent le courrier postal. Parce que c'est sûr qu'à 7 ans et 10 ans, ils sont sur l'ordi, puis oui. les tablettes et compagnie. Mais de recevoir, là, à la rentrée des classes, je vais leur envoyer des cartes pour l'Halloween. Tu sais, je trouve des occasions pour communiquer avec eux différemment. C'est intéressant, ça. Puis,
Ah oui, je te jure, là, c'est incroyable. Je les ai vus en fin de semaine, puis Louis me disait, « Ah, mamie, j'aime tellement ça quand tu m'écris, tu sais. » Alors, puis tu sais, les cartes, on n'est pas obligé de toujours en acheter, tu sais. On peut faire un petit dessin, puis un petit truc, puis un gros cœur, puis tu sais, « Je t'aime, passe une belle journée, peu importe, là. » Mais c'est de le recevoir avec le train, avec le thème, l'enveloppe. Eux, là, mes petits-fils, ils adorent ça, fait que je suis contente de mon coup. Parce que c'est sûr qu'on est sur la tablette, les ordi et compagnie, là. Mais nous, ma génération, on était, moi j'adore écrire, puis on était habitué à ça. Pourquoi pas garder ça vivant? Oui, donner de l'amour par la poste, pas juste des paquets d'Amazon, c'est intéressant ça. Oui, oui, c'est bon ça, donner de l'amour par la poste. Tu sais, ben, regarde, je vais te le dire, là, c'est pas le bon mot, mais c'est une ancienne façon de communiquer. C'était la façon de communiquer par les écrits, par la poste, par le courrier postal. Mais pourquoi pas avoir les deux aujourd'hui, tu sais? Puis qu'est-ce qui vous a amené, vous, Mme Théroux, à être porte-parole de ce mouvement-là, là, à ce mois-ci de l'année? Écoute, ouais, ben c'est ça. C'est que moi, je suis le porte-parole de la Fondation de l'Institut de gériatrie. Et on m'a approché il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Oui. Et j'ai aucune notion du temps, c'est pour ça que je vieillis pas. C'est ça le secret. Ben, c'est ça le secret. Ça m'empêche de vieillir. J'ai aucune notion du temps. Fait que c'est ça que je te dis 2 ou 3 ans. Mais on m'a approché seulement pour faire connaître l'Institut de gériatrie de Montréal. Parce que l'Institut de gériatrie de Montréal, c'est vrai que c'est peu connu. Mm-hmm. Et on n'est pas au courant. Les Québécois en général, on n'est pas au courant que l'Institut de gériatrie de Montréal. Et là, c'est le plus grand institut dans la francophonie. Puis déjà, il y a des avancées dans la recherche. Mais c'est pour ça qu'on m'a demandé d'être porte-parole, de bien porter la parole comme quoi l'Institut de gériatrie de Montréal est là pour nous aider dans notre vieillissement, pour nous supporter. Puis nous, donc, il faut aider, il faut en parler, puis il faut être conscient que le vieillissement, ça va vite. Samuel, ça va vite une vie, là. C'est vite passé, là. Oui. Vous autres, vous êtes jeunes, les trentenaires. Hey, mon fils n'aime pas ça quand je dis ça, que les trentenaires. Mais il aime pas ça. Un centenaire, oui, mais pas un trentenaire. C'est pas ça. Je commence à avoir mal aux genoux quand que c'est humide et qu'il fait froid. Donc, je le sens, le vieillissement. Il commence lentement, insidieusement. Ça s'installe. Il paraît que ça s'installe vers le 25-28 ans, cette affaire-là. Moi, je l'ai pas senti avant, il y a 2 ans. Moi, ça fait 6 ans que j'ai senti un petit peu de vieillissement, un petit peu de fléchissement dans le genou, dans la rotule du genou. Mais moi, je prends tout ça avec un grain de sel parce que je suis une femme privilégiée, choyée par la vie. Je fais ce que j'aime le plus au monde, une carrière. Je chante, je fais de la musique, je peins et j'aide les autres beaucoup. Je fais beaucoup de bénévolat aussi. Et puis, j'ai la santé. Oui. C'est notre plus grande richesse. Je vous le dis, là, les jeunes, hein? Les moins jeunes aussi. Les moins jeunes le savent que la plus grande richesse, c'est la santé. Alors, c'est ma façon à moi de m'impliquer, tu comprends, et de donner. Bien, c'est génial, ça. Puis, j'en profite pour réinviter les gens à s'engager auprès de ce mouvement-là, Solidaires des aînés, à aller sur le site solidairesdesaînés.com au pluriel. En ce moment, il y a 1677 là, personnes qui se sont engagées. Je suis sûr qu'on peut faire doubler ça là, avec nos membres de la REC. Bien, écoute, là, on est aujourd'hui le 29 septembre. Oui. Et le 1er octobre, c'est la Journée des aînés. Exactement. Alors, pour la journée, là, d'ici le premier, c'est pas loin le premier, là. D'ici le premier mai, il faudrait qu'on soit 2500. C'est un beau chiffre, ça. C'est réaliste, je te pense. Oui. Puis moi, je souhaite qu'éventuellement, ce soit pas la journée des aînés, mais que ça devienne l'année des aînés. C'est mon souhait aussi. Bon, on va prendre ça, on va essayer de lutter pour ça à la REC, je pense. On va amener ça à la REC. Ah ouais, donc. Une bonne idée. Une bonne idée. Mais je vous remercie encore. Alors, infiniment. Et je remercie immédiatement Samuel. Merci à toi et à toute ton équipe aussi, mais aussi à
tous ceux qui vont prendre le temps de s'engager et de poser le geste pour briser vraiment l'isolement de, chez nos aînés. Excellent. En tout cas, moi, j'ai signé, c'est fait. Ah, merci. Puis j'en profite pour conclure notre rencontre en disant « Je vous aime, Mme Théo. » On a dit que c'est important de dire aux aînés qu'on les aime. Ah, je suis contente, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sot. Puis sais-tu quoi? Moi aussi, je t'aime, Samuel. Ah, oh, mon Dieu! J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se croiser. Ben, j'espère aussi. Donc, puis sûrement une prochaine. Oui, sûrement. Merci, merci encore. Merci, bye-bye. Bonne journée, bye-bye. Modèle de vieillissement puis d'engagement. Effectivement, c'est une grande dame et oui. Je crois, Louise, que tu voulais aussi nous parler de d'autres grandes dames. Oui, parce qu'au cours de la dernière semaine, on a perdu deux femmes d'importance qui, chacune à leur manière, ont marqué leur époque. D'abord, une des juges de la Cour suprême des États-Unis, la juge Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée à l'âge de 87 ans. Elle avait été nommée par le président Clinton en 1993. C'est une juge progressiste. Elle a fait énormément pour la reconnaissance des droits à l'égalité des genres, pour la protection du droit à l'avortement et pour la protection des libertés civiles aussi. Elle a même défendu un homme qui voulait rester à la maison pour garder ses enfants. Et ça a été une cause et elle l'a gagné. Donc, l'ancêtre, ben, en tout cas, ça a donné lieu au congé de paternité comme on connaît maintenant. Alors, son remplacement par la juge Barrett, qui est associée à la droite religieuse, a été annoncé cette fin de semaine par M. Trump. Alors, cette nomination vient renforcer la majorité conservatrice à la Cour suprême, qui est composée désormais de 6 juges conservateurs nommés par les républicains sur 9. Ce qui aura forcément des conséquences sur la vie démocratique aux États-Unis. On sait qu'entre autres, il y a un enjeu autour de la défense du système de santé mis en place par le président Obama, le Obamacare. Mm-hmm. Donc, c'est à suivre de près. Sa nomination doit être entérinée par le Sénat, mais le Sénat est aussi à majorité conservatrice, voilà. Donc ça ne devrait pas poser de grands problèmes. Donc, c'est à suivre. Je voulais vous signaler qu'un film inspiré de la juge Ginsburg, intitulé « Une femme d'exception », a été réalisé par Mimi Leder en 2018. Il a été sur nos écrans de cinéma cet automne et moi, je ne serais pas surprise de le voir passer à la télévision dans les premières semaines. C'est donc à surveiller « Une femme d'exception ». Oui, il est disponible aussi sur plusieurs sites là, d'applications de films là, oui. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix et compagnie. Je sais qu'il est disponible. Il est sur Netflix aussi, oui. Il me semble qu'il est sur Netflix ou un autre, là. Ouais. Peut-être Crave. Mais... En tout cas, ça nous permet d'en savoir plus sur oui. Cette femme remarquable. Et un deuxième décès dans le domaine, tout autre domaine, celui de la culture cette fois, celui de la chanteuse Juliette Gréco, qu'on appelait la muse de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait 93 ans et sa carrière a débuté tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a été actrice, ce qu'on sait un peu moins, on l'a vu peut-être un peu moins souvent dans les films, parce que progressivement, elle s'est consacrée presque exclusivement à la chanson. Elle a interprété, on peut dire, de sa belle voix grave et chaude, les plus grands poètes et auteurs-compositeurs, qu'on pense à Prévert, Apollinaire, Aragon, Boris Vian, Robert Desnos et beaucoup d'autres. Elle est venue quelques fois au Québec. La dernière fois, j'ai entendu que c'était en 2015. Moi, je l'ai pas vue à cette époque-là. Elle donnait toujours ses concerts vêtus de noir, avec très peu de décors, okay. Mais surtout ses belles mains blanches qui bougeaient un peu dans l'obscurité. Là, c'était sa marque. Je trouvais important de souligner qu'à sa manière, elle a été un modèle non seulement à cause de ses qualités d'artiste, mais aussi comme figure d'émancipation à une époque où les femmes bénéficiaient encore vraiment très peu de liberté. Elle était à contre-courant et on sait que souvent les gens à contre-courant, ce sont eux qui ouvrent la voie à des changements. Je ne sais pas si on peut écouter. Un petit extrait de chanson. On fait signe que non. Bon, on va vous inviter à aller sur YouTube, l'écouter ou sur l'application. Une de vraiment. Ses chansons. En as-tu une préférée? Ben, non, mais une de ses chansons très connues, c'est « Il n'y a plus d'après » et c'est Guy Béard qui lui avait offert en 1960. Ah. Et je peux vous dire aussi que Radio-Canada a diffusé dimanche après-midi une émission avec Monique Giroux qui s'appelle « Le temps d'une chanson okay. ». Et c'est
ça dure 2 heures, c'est exclusivement des entrevues et des chansons de Juliette Gréco. Si vous êtes une fan ou vous l'avez manqué, on peut le retrouver facilement sur les plateformes de Radio-Canada. Ah, mais je le mettrai sur notre page Facebook de l'heure juste, là, donc j'inviterai les gens à nous suivre là-dessus. Là. Oui, alors voilà pour nos deux femmes remarquables. Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire beaucoup de chroniques à ce sujet-là. Souvent, on a aussi Ginette Plamondon qui nous fait des actualités féministes, puisqu'elle est conseillère à la REC qui s'occupe du dossier de la condition des femmes. Donc, beaucoup de sujets à venir, considérant ce que tu viens de dire avec la juge qui va être nommée, beaucoup craignent un recul sur les droits des femmes, surtout au niveau de l'avortement. C'est inquiétant, ça. Je ne sais pas si ça t'inquiète, là, mais moi, je ne trippe pas. Tout ce qui se passe aux États-Unis nous inquiète maintenant, et ça ne s'améliore pas. Cette nomination à la Cour suprême, c'est important parce que à la Cour suprême des États-Unis, ils sont nommés sans limite. Alors, elle a cette nouvelle, la juge Barrett, qui vient de la droite religieuse, elle est dans la quarantaine. Oui. Donc, elle peut faire... Oui, effectivement. Elle peut faire des dégâts pendant longtemps. Exactement. On avait oublié, mais c'est un enjeu, l'âge de la personne qui est nommée juge, parce que ça détermine le temps de son règne, si je peux me permettre. Là. Mais effectivement... Puis, il n'y a pas de date de péremption. Elles peuvent filer autant qu'ils veulent. Alors. Exactement. Mm-hmm. Donc là, il me reste 2 minutes, puis j'aimerais souligner le fait que là, actuellement, on est le 29 septembre, mais le 1er octobre, dans 2 jours, ce sera la Journée internationale des aînés. Et ça risque d'être particulièrement important à souligner cette année, considérant tous les enjeux qui entourent la qualité de vie, la dignité des aînés, surtout dans le contexte de la pandémie, comme on l'a dit au début de l'émission. La REC va être sur tous les fronts pour essayer de revendiquer des gestes, pour avoir vraiment appliqué des solutions concrètes pour améliorer la dignité des personnes qui vieillissent dans nos établissements de soins de longue durée. Ça ne peut plus continuer comme ça. Comme là, on vient de déposer un mémoire pour le projet de loi 56, je ne me trompe pas, sur l'approche aidance. C'est un bon pas vers les bonnes directions. La REC a 8 recommandations dans son mémoire pour bonifier le projet de loi. Mais l'objectif de ça, c'est toujours de travailler avec le proche aidant pour le dégager de certaines tâches, parce qu'il y a une pression indue, pas possible. Plus l'État se désengage de soins de service, plus c'est le proche aidant qui, finalement, va compenser. Alors, c'est à suivre. Le 1er octobre, Journée internationale des aînés, on va faire une petite sortie, mais on va se souhaiter une bonne année pour les aînés. On souhaite une bonne année, en effet. Merci, et à la prochaine, on se voit dans 2 semaines. À la prochaine. La propagation de la COVID-19 est un niveau critique dans votre région. Proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance.